السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح لا بارتي ديال لاريتميتيك ديال ليكزامان ناسيونال ديال 2019. اون ادمي كو هاد لو نومبر اللي هو لاني امازيغ اكتويل يعني في 2019 اي ان نومبر برومي سوا ان ام ابارتيان ان كاري فيريفيون ان ا لا بويسونس 8 بلس m à la puissance 8 est congrue à 0 modulo à le nombre. Nous la question 1. On suppose dans cette question que le nombre ne divise pas n. Comme le nombre est un nombre promis, alors elle est promis avec n car elle ne divise pas n. Rappel, c'est a appartient à z. P, un nombre premier positif, appartient à l'ensemble P. On a A est premier avec P, équivaut à un P ne divise pas A. On a un A, elle fait nous terminer au-dessus de N ne divise pas N. Ou le nombre est un nombre premier. Alors, elle fait nous terminer au-dessus de N où N sont premiers entre eux. Question 1a, en utilisant le théorème de Buzot, montrer qu'il existe U appartient à Z, tel que U fois N est congru à 1, modulo à le nombre. Nous allons utiliser le mot que N, ou le nombre, sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Buzot, il existe UV appartient à Z carré, tel que U fois N plus V fois le nombre égale 1. On va dire que U fois N égale 1 naqis V f'alfa'in. Donc, le nombre est congru à 1 modulo le nombre. Donc, pour la rédaction de la réponse, comme le nombre promis, elle fait une termine au-dessus de signe, ne divise pas. N, alors, elle fait une termine au-dessus du signe et promis avec N. Donc, d'après le théorème de Buzot, il existe un couple. Là, directement, il existe UV appartient Z au carré tel que U fois N plus V fois alpha N ou thermia au-dessus du signe égale 1. Donc, U fois N égale 1 moins V fois le nombre. Alors, U fois N est congru à 1 modulo le nombre. Je vous donne la question 1b. On déduire que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo est le nombre et que U fois M à la puissance est le nombre elle fait une termine ou diminutive est congru à moins 1 modulo est le nombre. Mais ici, il a fait à la puissance 8, U fois N à la puissance 8 est congru à 1 modulo est le nombre. Et congru à 1 à la puissance 8, 1 à la puissance 8, il y a 1. Modulo est le nombre. Déjà, on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0, modulo est le nombre. Donc,
m à la puissance 8 est congru à moins n à la puissance 8 modulo à le nombre. On a u à la puissance 8, mais on a u fois n à la puissance 8. Donc on a u fois m à la puissance 8 est congru à moins n fois u ou la u fois n à la puissance 8 modulo à le nombre. Et comme elle dit, est congru à 1 modulo à le nombre, donc il a dans le moins, et là, donc il est congru à moins 1 modulo à le nombre. Donc u fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo à le nombre. On a u fois n est congru à 1 modulo 1 de le nombre. Donc, u fois n à la puissance 8 est congru à 1 modulo 1 de le nombre. Et la drame 9 est le moins, donc il est congru à moins 1. Et comme n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo le nombre, alors u à la puissance 8, j'obtiens u fois n à la puissance 8 plus u fois m à la puissance 8 est congru à 0 modulo le nombre. On dit la somme de les deux. Et on va dire, u fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo à le nombre. D'où u fois n à la puissance 8 plus u fois m à la puissance 8 moins u fois n à la puissance 8 est congru à 0 moins 1 modulo 1 de nombre. C'est-à-dire, on a répété u fois m à la puissance 8, on a dit que je m'ai dit, est congru à moins 1 modulo elle fait une autre mia au-dessus de ceci. D'abord, d'instant de jour, elle dit, on a une indication, on a le nombre, donc, u fois m à la puissance 8 à la puissance 371 est congru à moins 1 au 371 modulo 2969. C'est-à-dire, 8371 تساوي 2978. U fois M os 2968 est congru à, un est un nombre impair, et de moins 1 os est le nombre, c'est moins 1, modulo 2968. Nous allons d'abord la question 1C. Montrer que le nombre ne divise pas u fois m. Supposons par l'absurde que le nombre divise u fois m. Alors, u fois m est congru à 0 modulo le nombre. L'arfana à la puissance 8, u fois m est congru, u fois m à la puissance 8 est congru à 0 à la puissance 8. Les voies 0.
موديلو 2969. وحنا ديجا بينا ان U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo هاد لو نومبر. دونك غادي نستنتجو ان 1 عفوا ان moins 1 est congru à 0 modulo هاد لو نومبر. Moins 1 est congru à 0 modulo هاد لو نومبر. Bien sûr, ce qui est absurde car le nombre ne divise pas moins 1. Donc, tu vois d'abord la rédaction de la réponse. Supposons par l'absurde que le nombre divise U fois M. Donc, U fois M est congru à 0 modulo le nombre. Alors, U fois M à la puissance 8 est congru à 0 à la puissance 8 modulo Feinutemia au-dessus de Stein. Et comme U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo au-dessus du signe, alors 0, le moins 1, est congru à 0 modulo le nombre. Donc, au-dessus du signe divise moins 1, ce qui est absurde. D'où le nombre ne divise pas U fois M. Nous avons la question 1D. On déduit qu'on a aussi U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo le nombre. Comme vous avez vu, on a un nombre premier. On a le nombre premier moins 1. On a 2968. Et donc, directement, on va le petit théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat dit que pour tout A appartient Z, si P est un nombre premier positif, alors A à la puissance P est congru à A modulo P. Si de plus P est premier avec A, alors, A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. On a dit, il y a la question. P est 2968 ou A est U fois M. On a dit que les deux nombres sont premiers entre eux. Yani U fois M ou le nombre sont premiers entre eux. On a dit, déjà bien, on a la question. Le nombre premier ne divise pas U fois M. Donc, il est premier avec U fois M. D'après le petit théorème de Fermat, on a U fois M Us Elfein Tsemia Utsudustin est congru à U fois M modulo Elfein Utsemia au-dessus du Stein. Et comme U fois M est promis avec le nombre, car le nombre ne divise pas U fois M. Ne divise pas U fois M. Donc, question, on a utilisé le résultat de la question 1C. Alors, à ce jour, on a U fois M أس 2969 ناقص واحد اللي هي 2968
est congru à 1 modulo 2900 au-dessus de ceci. D'abord, là, je nous donne la question. Flouul, supposons que le nombre ne divise pas n. القينا أن U fois M أس 2968 est congré à moins 1 modulo 2968. والقينا أيضا أن U fois M à la puissance 2968 est congré à 1 modulo 2968. وطبعا هذا الشيء هذا تناقض absurde. Car on a les deux résultats, on a 1 est congru à moins 1 modulo le nombre 2968. Donc, 2968 divise 1 moins moins 1 divise 2, ce qui est absurde. إذا عندك شيء اللي افترضناه في الأول est false يعني أن هذا le nombre divise n إحنا افترضنا أنه ne divise pas n إذا هذا l'assertion est false donc la négation ديالها هو اللي vrai يعني أن هذا le nombre divise n وهذا الشيء هو l'objectif ديال هذا la question en utilisant le résultat précédent montrer que le nombre divise n. Et donc, on va faire un mot absurde. On va faire un mot le nombre ne divise pas n. On va faire les questions précédentes. Supposons par l'absurde que le nombre ne divise pas n. Donc, d'après la question 1b et la question 1d, il existe un couple UM appartient z au carré tel que U fois M plus 2968 est congru à moins 1 modulo 2968 et U fois M plus 2968 est congru à 1 modulo 2968. Donc, 1 est congru à moins 1 modulo 2968. C'est-à-dire que 2968 divise 2, ce qui est absurde. Donc, le chiffre est un chata, et then, le nombre divise n. D'où, 2968 divise n. L'axol had l'an, le résultat le bina, tel d'abord. F'l'awal, f'tardna n ou m, tu vérifies la congruence. N à la puissance 8 plus m à la puissance 8. Est congru à 0 modulo le nombre. Ftarna par l'absurde, on a le nombre ne divise pas n, rien à contradiction, donc le nombre divise n. Et then, bina na, divise n. F'l'awal, ftarna hadi, ou bina na, n. عفواً أن 2968 ديفيز n. إذن هالشي هذا اللي بيناه لحد الآن بينا هاد الامبليكاسيون. يعني سي n et m deux entiers naturels vérifiant هاد la congruence alors هاد le nombre divise n. دابا غنتقلو لا question de b montrer que هاد l'assertion équivaut à l'assertion. Double implication
الاول بهذه الامبليكاسيون باش نمونطريو هذه الامبليكاسيون غادي نفترضوا ان هذه صحيحه ونمونطريو ان هذه حتى هي صحيحه supposons que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 1969. Donc, d'après ce qui précède, on a de l'assertion. On a n est congru à 0 modulo à le nombre. D'abord, quand on a bien de l'assertion, bien on a m est congru à 0 modulo à le nombre. Alors, on a à la puissance 8. Alors, n à la puissance 8 est congru à 0 modulo à le nombre. On dirait que c'est moins que c'est. D'où m à la puissance 8 est congru à 0 modulo à le nombre. Donc, à le nombre divise m à la puissance 8. Et comme le nombre est un nombre premier, alors il divise m. Alors, divise m, car le nombre est un nombre premier. C'est-à-dire, le résultat, c'est qu'il y a m est congru à 0 modulo elle fait une thème au-dessus du si. Idem, on a bien de l'implication. On a de l'assertion, on a de l'assertion, ou bien on a de l'assertion est vrai. هادي كلها إفغي بينا هادي وبينا هادي دابا نشوفو لوطخ امبليكاسيون هاد الامبليكاسيون في هاد الاتجاه غادي نسيبوزيو ان هادي إفغي ونمونطخيو ان هاد لاسيغسيون حتى هي إفغي سيبوزون كو ان اي كونغرو ا زيرو مودولو 1969 et m est congru à 0 modulo 1969. De l'implication, elle est triviale. À la puissance 8, on dira la somme. N à la puissance 8 est congru à 0 modulo 1969 et m à la puissance 8 est congru à 0 modulo elle fait une thermia au-dessus du steam. Alors, on dira la somme n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo et le nombre. Tahiyati, on a l'taqi fi al-video akadim.